L'institution a été fondée en mai 1937, en plein Front populaire, grâce à l'initiative d'un homme, Félix Gras, qui était ancien élève de l'école des Chartes, ancien membre de l'école française de Rome, parlementaire, et qui avait réussi à se mettre d'accord avec Jean Perrin, prix Nobel de physique, pour faire passer l'idée que la recherche publique, pouvait s'appliquer non seulement aux sciences exactes, mais aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Pour moi, l'IRHC, c'est d'abord un ensemble de chercheurs qui travaillent tous sur un même sujet, le manuscrit, dans tous ses aspects, et qui permettront à un chercheur, quel qu'il soit, qui travaille sur ses sources, de trouver dans tous les domaines possibles les réponses aux questions qu'il se pose. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de travaux personnels, ce n'est pas une somme de documents, ce n'est pas une somme de lecteurs non plus. C'est tout cela mis ensemble dans un même bocal où l'agitation quotidienne fait qu'il y a des interactions perpétuelles autour de ce qui nous réunit, c'est-à-dire l'histoire des textes et des objets qui les transmettent, des livres, qu'il s'agisse des manuscrits ou des imprimés anciens, des livres uniques, des livres où ce n'est pas juste un texte reproduit de manière mécanique, mais un texte et son contenant. Tout cela étant rassemblé dans une formule dont je ne sais pas trop s'il faut l'attribuer à Félix Gras ou à Jeanne Vieillard, qui est l'étude de la transmission écrite de la pensée humaine. Le propos fondateur, c'était très spécifiquement d'étudier la fortune, c'est-à-dire la transmission et l'influence au Moyen-Âge des auteurs classiques latins et grecs. Mais il s'agit finalement de tout ce qui a pu être un jour ou l'autre écrit sur des manuscrits, je ne dirais pas du monde entier, mais en tout cas du monde méditerranéen. Dès la fondation, l'Institut s'est voulu multilinguistique. Donc toutes les langues du pourtour de la Méditerranée sont représentées dans l'Institut. Ça, c'est quelque chose qui est unique au monde, je crois. La papyrologie, ça a été très longtemps le nom conventionnellement donné aux textes grecs ou latins écrits sur des supports transportables. Par exemple, ce papyrus, il date du 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un cahier d'écolier où on a toute la progression de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Tu en as combien des comme ça ici? Il y en a plusieurs placards. Oui. Des grands tiroirs métalliques. Oui. Toutes sortes de textes. Oui. Il y a même du démotique, du copte, de l'arabe. Rentrez. C'est dans cette pièce, un peu à l'écart, et dans tout cet ensemble de tiroirs que se trouve l'intégralité de la collection de papyrus conservée à la Sorbonne. Un ostracon. Là, un support un peu original sur du bois. Il s'agit d'une vignette en l'honneur d'une prêtresse du dieu Amon. C'est un cahier d'un codex. Là, en l'occurrence, c'est un texte de type documentaire en copte. C'est le passage du Cyclope dans l'Odyssée d'Homère. Là, on a un exemple de plastron de la pièce des Sicyoniens de Ménandre. C'est un texte magique, en fait. C'est ce qu'on appelle une tablette de défiction. On peut faire le dernier, peut-être ? Ouais. Bon, c'est vachement bien. Projet suivante. Coupé.
pour le bêtisier du film, les cartonnages de la Sorbonne, ou lorsque l'Égypte ptolémaïque la jouait vénitienne. Ici, nous sommes à la section grecque et de l'Orient chrétien de l'IRHT, c'est-à-dire qu'on étudie à la fois les manuscrits grecs, mais aussi les manuscrits dans les langues de l'Orient chrétien, à savoir le syriaque, l'arabe chrétien, le copte, accessoirement le géorgien. Et parce que toutes ces traditions de l'Orient chrétien sont en partie traduites du grec et en partie des traditions propres. Donc l'idée, c'est d'étudier la transmission des textes depuis l'original grec vers ces traductions et ces versions dans les langues de l'Orient chrétien. Dominus Abbas, Clare Valensis, Clare Valis, Domini, Garneri, Condam Lingonesis Episcopi. Tu as regardé sur la base si les images de la bibliothèque virtuelle de Clairvaux pouvaient nous donner quelque chose. Là, oui, ce manuscrit est dans la base. Il est dans la base. Oui. Alors là, on est en train on s'intéresse de très près à la bibliothèque de l'ancienne abbaye de Clairvaux, dont c'est la 900e anniversaire cette année. Et nous, on regarde tous ces textes et on essaie de voir combien de fois ils se représentent dans ces manuscrits, mais aussi qui les a donnés, qui a possédé ces manuscrits, qui les a fait copier, comment est-ce qu'ils ont été laissés à cette abbaye par des frères, par des abbés. Ici, on voit que les mots sont séparés par des espaces qui ont une grandeur variable. Et on a montré que les mots ne sont pas séparés de la même façon selon leur fonction grammaticale. Et pour nous, c'est très précieux parce que ça montre que dans la conscience, dans les processus cognitifs, dans ce qui se passe dans le cerveau, au moment où on parle et au moment où on écrit, il y a des évolutions progressives extrêmement fines qui se passent avant une stabilisation de l'écriture avec les espaces que nous connaissons aujourd'hui. Quand on piste des manuscrits partis de Constantinople dans la deuxième moitié du XVIe siècle qui se retrouvent aujourd'hui à Londres, à Paris, à Oxford, à Princeton, à Rome, etc., il y a un petit côté enquête policière. Il y a aussi un petit côté peut-être plus police scientifique, quand en rentrant dans la chair du manuscrit, on regarde comment il est fait, ses cahiers, les endroits où il manque des pages, les endroits où l'encre change de couleur, ce que cela nous dit sur la manière dont les textes ont été copiés. De fait, il y a un petit côté jeu de piste, enquête. Et dans la pierre tombale, contrairement à l'habitude, ils indiquent la péricope de l'année. Oui. Mais comme l'année est ici complètement caché par le ciment. Alors, Naon dit une chose et moi je dis pas la même chose. Tu vois, les voilà. Traits touchent ouais, un peu, et regarde. Ça c'est vraiment c'est assez détaché. Mais ça correspond pas non plus au yud. Oui, donc il y a un problème. Donc c'est intéressant qu'on travaille toujours avec des fragments, même lorsqu'il y a des pierres. Mais c'est surtout intéressant de travailler à plusieurs. Parce que ton regard à toi, au bout d'un moment, il s'étiole. Oui. Les autres voient des choses qui sont évidentes et que tu ne vois plus. Alors, non, mais il y en a plusieurs de codes. Ils sont tous différents. À ça qu'on sait. Se conserver la fidélité de la femme. Bon courage. Être un chercheur qui passe des heures et des heures à lire les manuscrits, à comprendre, à déchiffrer, on a un déchiffrage de manuscrits, mais
en même temps, en déchiffrant le manuscrit, on déchiffre le passé. Oui, par exemple, j'ai dans le Désert oriental, on a eu une vision tout à fait neuve de l'armée romaine. Et on a retrouvé pas mal de choses sur l'organisation de la prostitution, avec des mots nouveaux. Par exemple, le mot « cucloticon ». Et « cuclo », ça veut dire « tourner », « faire des cercles ». Alors, le bonhomme qui frappait le bœuf pour que le bœuf actionne la sakia recevait un salaire qu'on appelait le « cucloticon ». Et dans le désert oriental, on retrouvait dans les ostracas ce mot « cucloticon ». Alors, au début, on n'avait pas assez d'ostracas, donc je n'avais pas compris de quoi il s'agissait, mais j'avais remarqué que c'était toujours des femmes qui recevaient le « cucloticon ». Alors du coup, je l'ai même écrit. Je l'ai même écrit que, curieusement, dans le désert oriental, c'était les femmes qui faisaient tourner les roues à eau. Alors qu'en fait, c'était des tournantes. C'est le salaire pour la tournante. Voilà. Voilà. Donc, un mot rare qui avait un sens, mais qui était aussi employé dans le désert, mais avec un autre sens. Il fallait trouver pas mal d'ostraca pour finir par comprendre ce que ça voulait dire. Viennent ici des philologues, des paléographes, des historiens, des diplomatistes, des spécialistes de la littérature. Et donc, en gros, les meilleurs spécialistes de l'Europe et de ses marges peuvent trouver une place ici. On y a d'ailleurs souvent appris à travailler. Les éléments propres pour travailler sur le manuscrit ou sur les imprimés anciens, on les a appris ici, au contact des chercheurs de manière plus ou moins formelle. J'ai appris à examiner un manuscrit, j'ai appris à faire des catalogues, j'ai appris à penser des instruments de travail, et j'ai appris un truc beaucoup plus fondamental qui était que dans ce labo, les gens faisaient des découvertes sans arrêt, mais que pour eux, ça n'avait aucune importance. C'est-à-dire le moindre petit normalien qui découvre un truc, il en rebat les oreilles de tous ses copains, il fait 3 articles, il déploie ses plumes de paon, etc. Et cette modestie incroyable vis-à-vis de la découverte, pour moi, ça a été le déclic le plus important, parce que c'est à la fois un esprit de recherche et un esprit de service. Et c'est ça la caractéristique de ce laboratoire. C'est un des gros avantages de la maison. On a des voisins qui savent plein de choses que nous, on ne sait pas. Et que l'on va trouver. Et qu'on peut aller trouver. Par exemple, si on a n'importe quelle question sur un texte en hébreu qu'on ne comprend pas ou des aspects de culture juive médiévale, il y a à peu près 5 mètres à faire en sortant du bureau à droite et il y a des gens extrêmement compétents et très accueillants pour répondre aux questions. L'IRHT est un organisme de recherche et peut être un organisme de recherche parce qu'il est un organisme de documentation et que grâce à tous les fichiers qui ont été remplis depuis 80 ans, grâce à la veille bibliographique qui permet d'alimenter aujourd'hui les bases de données, eh bien, on nourrit jour après jour la recherche. C'est le fichier qu'à l'IRHT, on appelle le fichier peint, parce que c'est le seul fichier avec des images peintes en couleur. Dans les années 40, 50, 60, on a donc constitué ce fichier avec à peu près 5500 armoiries. Et puis ici, à l'IRHT, à partir de ces croquis et ces notes, étaient peints d'images aussi fidèlement que possible, parfois d'après des photos en noir et blanc aussi, de ces armoiries qui figurent donc dans les manuscrits en tant que marque de possession. On peut trouver cette fiche aussi dans notre base de données qui s'appelle Bibal.
via le nom. Et donc, on peut trouver dans la base de données cette fiche, non seulement par le nom du personnage, mais aussi par la chaîne de caractères qu'est le blasonnement, c'est-à-dire la description héraldique des armoiries. Ce laboratoire, fondamentalement, est né des possibilités techniques nouvelles, c'est-à-dire qu'on a décidé que puisqu'on avait des moyens photographiques désormais, on allait réunir autant que possible des images, des manuscrits. À l'époque, on parlait de photostats, n'est-ce pas, et puis de photos, et puis des microfiches, et puis des microfilms, et puis maintenant, naturellement, les supports numériques. Voilà, donc ici, on est dans la salle de consultation des microfilms. En fait, l'IRHT procède à la reproduction des manuscrits depuis 1937. On va retrouver ici des microfilms de toutes les bibliothèques du monde. C'est un travail titanesque qui a été réalisé par plusieurs générations, en fait. Il faut imaginer qu'on a dans ce lieu des kilomètres et des kilomètres de films qui ont toutes été numérisés et qui sont toutes en ligne, évidemment. Karima ? Oui, j'en ai profité pour en faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça a très, très bien marché. D'accord. Ça a été énormément partagé. Ah, c'est chouette, hein. Donc ça prouve bien qu'il y a une attente par rapport à la mise en ligne des reliures. Oui, il y a un intérêt pour les reliures de plus en plus important. Ouais. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est là. Oui, il est là. Donc, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Relié. Merci beaucoup. À plus tard. À bientôt. Ouais, à bientôt. Ouais. Je crois que c'est le seul centre de recherche qui assure de manière aussi efficace la passerelle entre les structures de recherche, les universités, les bibliothèques et les archives. L'IRHT est d'autant plus important qu'il n'existe pas en France d'autres institutions de ce genre. Donc c'est une institution que le monde entier nous envie, et qui pourtant est mise en péril, et auquel on donne de moins en moins les moyens de produire. Alors je sais qu'il y a des problèmes sociétaux qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des missions de fond dans l'Institut qui sont menacées. Si on se donne le mal de faire passer le contenu d'un fichier qu'on a mis des dizaines d'années à constituer, qu'on le fait passer sur support informatique, cela veut dire qu'il faut de la maintenance derrière et de la maintenance intellectuelle. À partir de la mémoire, on bâtit le futur aussi. Sans mémoire, il n'y a pas de futur et une société ne parvient pas à se mettre devant les autres ni à se reconnaître sans savoir ce qu'elle a été. On va faire le passé se taire à cause du fait qu'on n'a pas des spécialistes qui peuvent lire des manuscrits du latin. Bien sûr, ce n'est pas seulement la connaissance du latin ou du grec qui est nécessaire pour l'approche des manuscrits, mais c'est toute une matière en fait, c'est tout un métier. Il faut savoir que dans les bibliothèques des provinces de France, les bibliothèques municipales et autres, il y a des dizaines de milliers de manuscrits médiévaux. Si personne ne s'en occupe, ce patrimoine peut être jeté à la poubelle immédiatement. Et je crois que si nos autorités ne comprennent pas que peut-être une des réponses à notre crise de société actuelle, c'est la recherche, ce sont les études, c'est l'enseignement, c'est le savoir, c'est l'histoire, et nous faisons de l'histoire ici, peut-être qu'on aura peut-être perdu la partie, ce ne sera pas gagné. Donc pour nous, il est très important de survivre et que nos tutelles le comprennent aussi. Comment je vois l'avenir du laboratoire et les mutations qui s'annoncent. Alors, la principale de ces mutations, c'est le déménagement prévu sur le futur campus Condorcet à Aubervilliers. Campus donc dédié aux sciences humaines et sociales, prévu 2019. Et il faudra des années avant de pouvoir reconstituer quelque chose de scientifiquement correct. Donc il y a de la casse. Pour autant, le déménagement sur le campus Condorcet,
c'est aussi une opportunité. Un des avantages que j'y vois, c'est la réunion des différentes composantes du laboratoire. Et puis, l'autre perspective que j'y vois, c'est le fait que l'IRHT sera au cœur du dispositif de recherche du CNRS sur ce campus. Un souhait à moyen ou long terme, c'est d'une part de pouvoir poursuivre le travail sans que ce qui fonctionne bien et ce qui a déjà fait ses preuves soit cassé. Souvent, dans les décisions auxquelles on est confronté en termes de politique scientifique, on a un peu l'impression que ce que l'on fait au quotidien n'est pas connu par ceux qui prennent les décisions et que ça changerait peut-être les décisions qu'ils prennent. Alors le souhait, c'est de pouvoir continuer sans trop s'encrouter, mais sans tout changer tout de même. Quel vœu formuler pour le laboratoire ? Le premier et le plus irréalisable, c'est de doubler l'effectif de personnel permanent. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais à défaut de doubler, qu'on puisse recruter dans les prochaines années, dans la perspective de pouvoir tenir notre rang sur le campus Condorcet, une dizaine de personnes de niveau ingénieur de recherche. Deuxième vœu, réussir au mieux l'alliance entre le savoir ancien que nous représentons, du haut de bientôt 80 ans, et les nouvelles technologies. Troisième vœu, avoir du temps, avoir des perspectives de stabilité. Pour pouvoir faire de la recherche, on a besoin de se poser de temps en temps. Et c'est le meilleur que je souhaite, à la fois pour moi-même, et pour ceux que je dirige encore pour quelque temps. Alors moi j'ai une obsession, c'est Cassiodore. Et je dis tout le temps à tout le monde, et entre autres à mes étudiants, que Cassiodore avait toutes les raisons de désespérer. Il était en pleine barbarie, il avait vu qu'il ne pouvait que désespérer du pouvoir, et il n'a pas désespéré. Il a fondé Vivarium, il a sauvé des quantités de textes qui ont encore été recopiés au IXe siècle et c'est comme ça qu'on les a. Et nous, on doit être des Cassiodores. C'est-à-dire, je pense qu'à l'IRHT, on est une armée de Cassiodores. Et que même si on a toutes les raisons de désespérer du politique, on doit continuer quand même. Et que ça va marcher. Puisque tout ce que nous a transmis Cassiodore, on l'a encore, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore pendant 1500 ans.